Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ben, vous avez vu le titre et vous avez vu les deux premières photos. La PlayStation 3 et la PS Vita ne seront pas fermées au niveau de leur boutique. Les gens ont tellement rouspété que ça, sur le fait qu'ils fermaient pour des raisons tellement peu intelligentes. Et que les gens ont tellement crié que pour finir, ils ont décidé de la laisser ouverte. La PSP, elle fermera. Mais la PS Vita et la PlayStation 3, leurs stores seront toujours actifs et ils ne fermeront pas en été. Donc voici la bonne grosse nouvelle de Sony, qui s'est rendu compte qu'il se faisait une très mauvaise image de marque de la société en fermant leur store. Et malgré ce que disent certaines personnes, le store de la PlayStation 3 et de la PS Vita, il y a toujours des gens qui sont actifs, qui jouent et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand on dit la PlayStation 3 est morte, non. Il y a plein de gens qui donnent la PlayStation 3 à leurs enfants ou ils ont ça comme PlayStation. Voilà, parce que ils ont eu leur bibliothèque sur la PlayStation. Et les jeux sont en HD ou en Full HD sur la PlayStation 3. Donc, vous avez la même qualité d'image que sur une PlayStation 4 en étant plus accessible et en étant sur l'Internet. Donc, voici la grosse force de la PlayStation 3 et de la PS Vita. Donc, voilà pourquoi il y a eu tant de gens qui ont respecté. Donc, là-dessus, nous avons la bonne nouvelle. Donc, ça, c'est la troisième vidéo de cet épisode tout à fait incroyable de la fermeture du store. Et ça revient, si vous voulez, sur eux-mêmes, sur Sony. Parce qu'ils veulent que les gens aillent sur du store digital, mais en même temps, ils fermaient un store digital. Donc, ils se sont rendus compte que les gens disaient, attendez, si vous me faites le coup sur la PlayStation 4, moi, j'ai mis 500, 600 euros dessus. Et alors, tout ce que j'ai eu comme jeu sur la PlayStation 4, après, je ne peux plus avoir les mises à jour aussi, si vous faites comme sur la PlayStation 3. Donc, pour finir, ils se sont rendus compte que c'était pas le moment du tout de venir faire ce kill sur le store. Donc ils ont dit, oh là là, on se rend compte qu'on fait une connerie, on arrête les trucs. Donc ici, vous avez une petite démo d'ouverture du jeu de Mickey qui sert de fond pour la discussion. Ben là-dessus, je vais vous laisser. Un gros bisou et donnez-moi vos commentaires et vos réactions sur la fin de ce fameux épisode de la PlayStation 3. Un gros bisou à tous !